Non, pour le moment, il ne faudrait pas y rester 2 heures, mais enfin. Ah oui, c'est une recette. Alors là, elle a fait mettre un robinet là maintenant. Il y a déjà des amandes d'envie. Ça fait que. Oh là là, elle peut bricoler là-dedans sans salir sa cuisine. Qu'est-ce qu'il nous fait une tour, nous, là, hein. Vous allez voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah ben, vous allez voir, je vous dis rien. Hein. Ah oui. Je vous dis rien. Mon purisson, il est content de voir sa mère. Oh, qu'il est content. Hier, il a vu son père. Et mes mères ne l'avaient pas venu. Tu aurais pu venir me voir à Fuvo, dis. Il n'était pas venu, mon chien. Eh, oh, il aurait pu venir me voir à Fuvo. C'est pas loin. Ben, je viens d'arriver. Vendredi soir, ils sont arrivés à 11h du soir. Oui. Alors il y a hier et aujourd'hui finalement. Hein. Oh, il est comme ça. Il est comme ça. Ça y est, Tchouki, elle m'a caressée. Hein. Elle est venue me caresser, elle a bien mangé aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu racontes, ma reine? Oh, bah, qu'est-ce que tu fais? Elle n'a pas voulu monter à Paris cet hiver. Ah bon? Pourquoi? J'ai le téléphone, tu peux me téléphoner, hein. Où t'as le téléphone? Mais chez moi. À Fuvo? Ben oui. Ah, mais tu me l'as pas donné. J'ai pas le téléphone, je me rappelle plus du tien. Moi, il me téléphone presque jamais. Il me téléphone pour me dire qu'il arrive, c'est tout. Ah ben oui. Oui, oui. Heureusement que j'ai des nouvelles par Linette. Elle me dit, j'ai vu les crudeaux, ils vont bien. Où elle me dit, j'ai vu Josie, elle revenait du marché, oui, chargée comme un petit âne. De temps en temps, il peut me téléphoner. Dit, bonjour, bonjour. Ils sont en pleine forme. Oui. Voilà, elle me dit, j'ai vu Franck à la sortie de l'école, il m'a fait comme ça. Alors j'ai compris qu'il était troisième. Mais elle dit, il ne me l'a pas dit. Ah oui. Et oui, l'excès. L'excès. Bon, ça ne suffit pas, non? C'est pas fini? Non, ça ne suffit pas. Comme il faut que tu en passes. Raconte-moi un peu les conneries que je faisais quand j'étais jeune. Quand tu te cachais sous le lit, qu'elle arrivait et que quand elle pendait son manteau, tu lui attrapais les jambes. Boulou, qu'est-ce que c'est? Tu m'as fait peur. Marraine. Tu nous en as fait, ce petit. Dis, marraine, tu me prêtes 100 francs pour aller au cinéma? Ma mère, elle ne veut pas m'en donner, je suis punie. Oui. Mais c'était toujours à fond, je te les rendrai. C'était toujours à fond perdu. Et marraine, comment t'appelais les Esquimaux là? Les Esquimaux? Ouais. Comment je les appelais? Ah, la glace là? Ouais. Tu veux dire? Ouais. Les glacés? Non. Mais tu t'en souviens pas? C'était les glacés? Non, pas du tout. Ah bon? De vin et d'eau. C'était les frigolos. Ah, c'est vrai, les frigolos. Les frigolos. Hein? Et quand nous avions été remonter les Champs-Élysées pour la victoire, là. Il y est, Sarah Dimini à Fuvo. Lui, pour son frigolo, il nous a fait marcher toute la nuit. Il est moche, hein. C'est vrai. Oh là là. C'est déjà moche, alors je vois. Il est moche. Hein. Il avait au moins des chaussures du 44 et des chaussures du 39. Toi, t'as pas changé, ma reine. T'as les cheveux blancs, c'est tout, hein. Tu sais quel âge j'ai? Non. 77 ans. Ah, oh, dis donc. Tu dis rien? Ben, t'as l'âge de papa, non? Eh oui. Ben non, moi j'ai un an de plus. J'ai plus de 77. J'aurai 78 en septembre. Hein. Tu vois la coquette, hein? Elle n'allait pas le dire. Hein. Oui, non, mais je pense à ça. Oui, oui, mon mari, il finira. On a un an, je crois, avec. Il finira ses 77 ans le 22 juillet. Et moi, je suis mois septembre, alors j'aurai 78 au mois septembre. Voilà. Non, je ne vais pas trop la route. Alors voilà. Oui, autrement, tu peux venir me voir. Hein. Ouais, sûr. Je n'habite plus au même endroit. Hein. Ah bon? J'habite dans la maison du docteur, en face du tabac. Ah bon? Tu es plus dans la ville? Et tu es plus dans la ville? Plus dans la ville. Parce que là, tu étais au bord de la route. Hein. Oui. Dans un virage. Oui, là où il y a même Gassier, là où il y a le garage. Le garage, oui. C'est ça. Hein. Et elle aussi, là, j'ai vu toute jeune. J'ai presque levé, là, maintenant. Oh oui, je me la rappelle quand elle était. À 18 ans, maintenant. Là, il faudrait que vous veniez dans un mois et demi. Là. On trouve elle, nous, hein? Oui, oui, oui. Je vais toujours aller à l'île de l'Oléron. Vous savez, la petite, elle voudrait que j'aille à l'île de l'Oléron. Ah oui. Je vais passer pour l'île de l'Oléron. Je suis obligée de partir à 11h du soir. Alors donc, quand on me mène à Marseille, ou alors il faut que j'aille à Gardanne, prendre la Micheline et puis aller à l'île.
Moi, le ménage m'intéresse. C'est trop long pour aller là-haut. Oui. Je comprends, mais c'est bon. Oui. Il faut que vous preniez le bordelais. Prenez le bordelais à Marseille. Autrement, si je prends dans la journée, parce que moi j'aime mieux viser, j'aime mieux voyager dans la journée. Et bien, dans la journée, je suis obligée de. Il faut changer, je crois. Ah bon? Oui. Parce qu'il faut aller jusqu'à La Rochelle. Voilà, il doit aller. Elle vient me chercher à La Rochelle. Ben, je sais, moi j'ai amené la petite à Poitiers, là. Quelle expédition? Alors, il faut changer à. Oui, à Bordeaux. Et comment elles vont tes petites filles hein? Ben ça va. Jacqueline, tout et ça. Jacqueline, elle a trois petits. Oh là là. Il y a Christiane qui a acheté. Elle a combien, Christiane? Hein? Il est à la neige en ce moment. Ah bon, quel âge ils ont ces enfants à Jacqueline? Et Jacqueline, le deuxième, le premier, il a 12 ans. Ouais. 10 oh, et là. 8. Et Christiane, elle habite à la chose, mais elle a acheté un appartement. Et là, elle a un petit Stéphane. Ah bon? Et René, comment il va? Ben René, ça va. Là, ils avaient quitté le bar, ils l'avaient mis en gérance, mais la gérance n'a pas marché, alors ils ont repris le bar. Au Charenton? Non, ici les Moulineaux. Ah bon? Oui. Parce que moi, j'ai su, je crois que je l'avais vu au Charenton une fois. Non, mais il est à ici les Moulineaux, lui. Ah bon? En face, la grande chose, là, l'usine de lavage, je pense que c'est. Alors elle a perdu sa mère, c'est elle aussi. Et ils avaient acheté une propriété en Normandie. Alors maintenant il y a la propriété de sa mère. Et ils sont deux, il y a le frère et la soeur. Alors ils vont revendre sa propriété qu'ils ont achetée. Et ils vont donner la part à son père. Et ils garderont la maison. Voilà, vous savez, c'est moche là-bas. René, ils ont le chauffage pour l'eau, là. Ils ont l'eau toute l'année à 60 degrés. Vous savez, le chauffage solaire. Mmh. Ah oui. Là-haut sur le toit, oui. On ne voit pas. Tiens, je vais le faire.